Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit logiciel qui est super bien utile, qui a été développé par Philippe Léon. Et ce logiciel s'appelle le localisateur. Le localisateur va vous permettre de faire des merveilles, un outil qu'il vous faut absolument dans votre PC et, bonne nouvelle, bientôt dans votre Mac. Car j'ai discuté avec Philippe et il m'a dit donc que c'était en cours pour le Mac, donc on ne peut que le féliciter. Alors, le localisateur se télécharge à partir d'une page web, je vous mettrai le lien sous la vidéo et on va le rechercher dans le dossier non téléchargement. Téléchargement. Dans notre dossier téléchargement, on se dirige sur le fichier qu'on a téléchargé qui s'appelle Setup localisateur PC 7.2.0. On le valide. Entrée. Contrôle de compte d'utilisateur fenêtre. Donc Windows nous demande une confirmation pour l'ouverture du fichier. On fait un petit Alt Y. Fenêtre installation du localisateur, Internet plus accessible, bouton suivant. Donc on arrive sur une fenêtre très simple à gérer avec n'importe quel lecteur d'écran. On va pouvoir la gérer et cette fenêtre est bien le installation du localisateur, Internet plus accessible. Vous allez voir toutes les rubriques à l'intérieur, c'est assez hallucinant en termes d'accessibilité, en termes de facilité. Et je pense que cet utilitaire, il va servir à énormément de gens pour être très rapide, pour éviter des pages internet bourrées de pubs. Alors franchement, si vous ne connaissez pas le localisateur, allez le télécharger, testez-le, c'est gratuit, c'est offert par Philippe. Alors c'est vraiment exceptionnel comme accessibilité. Alors on va naviguer dans la fenêtre pour écouter ce qu'elle nous raconte. Vous allez installer le localisateur version 7.2.0. Copyright Philippe Léon. Suivant, enfoncé. Répertoire d'installation. C, programme fil localisateur. CTRL plus ALT plus L pour lancer le localisateur. Comme vous voyez, il a pensé à tout. On peut lancer le localisateur via le raccourci CTRL ALT L ou ALT GR L. On continue. Installer. Installer bouton enfoncé. Consultez la page Flash Info pour connaître les nouveautés. L'installation s'est terminée avec succès. Consultez la page Flash Info pour connaître les nouveautés. Abonnez-vous à la liste de diffusion pour rester informé. Lancez le localisateur. Terminé. On va lancer le localisateur. Enfonce le localisateur sur Internet. Dialogue. Le localisateur débarque sur Internet. Ok. Vérification des mises à jour. On est ici maintenant sur le localisateur et c'est maintenant que vous allez vraiment prendre du plaisir à voir ce que peut vous apporter cette affaire. Le raccourci clavier Alt Ctrl L. Le localisateur Internet plus accessible. Dialogue. Le localisateur version 7.2.0. Philippe Léon. Catégorie. Liste. Mes favoris. On tombe tout de suite sur une zone de liste déroulante sur les différentes catégories et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. On va tout de suite les parcourir ensemble. Mes recherches, mes favoris. Annuaires, commerce, culture générale, économie, finance, flux audio-vidéo, musique, hobby, loisirs, jeux, langue, ouvrage, film, presse, presse étrangère, réécoute, podcast et télévision de rattrapage. Ici, on sera sur les replays. Santé, services, outils, transport, déplacement, vie quotidienne, le localisateur. Voilà, on a donc parcouru l'intégralité de cette zone de liste déroulante qui est, comme vous avez vu, très bien fournie. On tabule une fois. Source, liste. Cette zone de liste déroulante ici va s'adapter à la première lorsqu'on va lui demander les différentes catégories. Choisissez une catégorie puis faites entrer pour choisir une source. Choisissez une source puis faites entrer pour saisir les informations demandées. Vous pouvez vous déplacer avec les flèches de direction ou taper l'initiale. Voici quelques raccourcis clavier pour naviguer dans l'écran du localisateur. Alt plus C, liste des catégories. Alt plus S, liste des sources. Alt plus P, liste des pages d'un journal ou d'un magazine. Alt plus R, ajoute la source dans les favoris. Alt plus E, efface la saisie des informations. F6, recherche d'une source, d'un quotidien, d'un podcast. Voici quelques raccourcis clavier pour naviguer entre les flux. F2 et MAJ plus F2. Flux suivant et flux précédent F3 et MAJ plus F3. Choix des radios et des télévisions F4. Lance le flux ou l'arrête. Il a vraiment pensé à tout, à intégrer les raccourcis clavier pour une navigation ultra fluide. Voilà, donc on va tout de suite maintenant faire un petit Alt C pour aller catégorie, liste, dans la mes favoris.
ici par exemple. Mes recherches, annuaire. Annuaire, par exemple, je vais faire entrer. Source, liste. Choisissez parmi 6 sources non sélectionnées. B, recherche d'un particulier dans les pages blanches. J, recherche d'un professionnel dans les pages jaunes. J, y recherche à partir du numéro de téléphone. B, recherche d'un particulier dans le 118218. B, J, recherche d'un professionnel dans le 118218. J, N numéros utiles. N numéros. Ici, par exemple, je vais aller rechercher à partir. J, recherche d'un professionnel dans les pages jaunes. Ici, c'est ce que je vais rechercher. Qui quoi, édition multiligne. Par exemple, vide. Qui quoi, coiffeur. C, O, I, F, F, E, U, R, adresse ou ville ou code postal, édition multiligne. Alors, si on va lui marquer la ville, par exemple, de. L, I, L, L, E. Et la touche entrée lance la localisation. Localisation en cours. Utilisez page suivante et page précédente pour naviguer. Page jaune annuaire des professionnels, un bon de coiffure. Et ici, comme j'ai fait entrer sur le nom de la ville, on va avoir les résultats instantanément. Page jaune annuaire des professionnels. Ici, je fais que flèche bas. 1. Bon de coiffure. 5. Avis coiffure maghrébine. Défrisage brushing. 20. Voilà donc pour l'annuaire. On va passer tout de suite à un autre registre. Catégorie. Liste. Commerce. Annuaire. Commerce. Commerce. Source. Liste. Pépicard. Pépicard. La sélection du mois. Rechercher un produit. Pépicard. Rechercher un produit. Produit astérisque édition multiligne. Ah, par vide. Exemple, ici on va chercher. T-E-U-I-T-E. Recherche d'un produit. Localisation en cours. Un résultat. Un 4 pavés de truite arc-en-ciel, élevé en France. 4 pavés de truite arc-en-ciel F019546. Le sac de 400 grammes 31,75€ barre oblique âge et 12,70€ quantité. Ajouté à ma liste véritable délice des rivières, les truqueurs d'un environnement préservé dans le sud de la France. Ayant bénéficié d'une alimentation naturelle, leur chère rose dite saumonée en fait un plat apprécié des fines bouches. Ces 4 pavés s'accommodent à merveille d'une sauce à la napolitaine, tomate fraîche, huile d'olive, basilic, culture générale. Source, liste. Choisissez parmi 4 sources non sélectionnées. C, conjugaison. D, dictionnaire. Dictionnaire libre. S, les synonymes. W, Wikipédia. Alors, par exemple, sur Wikipédia. Recherche astérisque édition multiligne. Vide. On va chercher, par exemple. I, C, T, O, R, espace, H, U, G, O. Victor Hugo. Localisation en cours. On a de nouveau une liste où on va pouvoir aller vers le haut ou vers le bas. 20 résultats. 1 Victor Hugo. 2 Victor Hugo et la conquête de l'Algérie. 1 Victor Hugo. 2 Victor, 3 Victor Hugo en voyage. 4 Victor Hugo métro de Paris. Alors ici on va aller sur la première rubrique Hugo, et on valide. Localisation en cours. Page 1 sur 38 Wikipédia. Alors là, Victor Hugo, un article de Wikipédia. L'encyclopédie libre. C'est Aléa, automatique. Navigation. Recherchez, vous lisez un bon article. Pour l'homme politique portugais, voir Victor Hugo de Azevedo Coutinho. Pour les autres significations, voir comme Victor Hugo homonyme. Victor réactif, Hugo portrait de Victor Hugo par Nadar vers 1884. Donnez que les noms de naissance Victor Marie Hugo à naissance 26 février 1802 maison natale de Victor Hugo. Besançon France décès 22 mai 1885 à 83 ans 16 et arrondissement de Paris France activité principale écrivain romancier poète dramaturge pamphlétaire personnalité politique dessinateur économie, finance, économie, source, liste. Ces cotations du CAC 40, Boursorama, valeur du SBF 120 Renault, 14h47. Le samedi 26 novembre 1973.36 et dernier cours 0,03% variation 73,35 couverture 73,35. Voilà, on est sur la bourse, on va maintenant revenir dans une autre catégorie, donc sur un nouveau. Économie, flux audio-vidéo, musique. Et on entre. Source, liste. Choisissez parmi 11 sources non sélectionnées. F Radio Française. I Radios Internationales. I L Radio Locale. L F Télévision Française. Média Liste. 18 médias non sélectionnés. France 3. France 4. France 5. France TV. Le JT Permanent. Canal Plus en clair. M6. LC Public Sénat. TMC. RMC Découverte. BFM TV. RMC Découverte. BFM TV. On va lancer par exemple BFM TV. BFM TV. Votre navigateur est lancé pour visionner la télévision. Live BFM TV Microsoft Edge. Microsoft Edge Fenêtre. Alors ? Ah ouais, c'est super. Mais je vais pas l'acheter. Hein ? Allez, on part sur Gulli. Gulli, votre navigateur est lancé pour visionner la télévision. Tout ça, c'est automatique. Avant Noël, Cdiscount ouvre les portes du très secret QG du Père Noël. Tu veux découvrir les meilleurs cadeaux de Noël avant tout le monde ? Eh bien, tente ta chance sur Gulli.fr
pour découvrir sur une autre brique. Catégorie, lisse, hobby, loisirs, jeux. Monsieur Marmiton, les recettes en vidéo. Monsieur Marmiton, les flûtes et thermomix, les recettes résultats des jeux de tirage, FDJ. Monsieur dictionnaire de mots croisés. Un amuse-gueule bonhomme de neige en boudin. De dessert bûche de sablé au chocolat. Ouvrage, film. Choisissez parmi cette source. EOL, les nouveaux les nouveautés audio. EOL, mes informations. Des DVD en audio description à la médiathèque AVH. Des DVD à audiothèque des boucles de scène au Vésinet. BBNFA. C'est critique d'ouvrage. Titre de l'ouvrage astérisque édition multiligne. Espace 59 résultats. 1 1914 les atrocités allemandes. 2 à quoi bon la vérité. 3 chroniques d'une petite ville 04. 1004 dis-moi la vérité sur l'amour suivi de quand j'écris je t'aime. 5 et si c'était la vérité 2 points enquête sur les délires. Édition multiligne. Critique d'ouvrage et si c'était la vérité 2 points enquête sur les délires de l'histoire de Christophe. Critique d'ouvrage et si c'était la vérité 2 points enquête sur les délires de l'histoire de Christophe Bourseiller. Catégorie S, sciences humaines et exactes égale économie, politique, sociologie et actualité. Il n'y a pas encore de critique sur ce livre. Vous voyez, on peut vraiment avoir accès à tout. Catégorie, lit presse. Sur la presse. Source, liste, A agence Reuters, A Atlantico, A avantage, B le Berry Républicain, B le bien public, B boursier.com, C'est challenge, hhandicap.fr, page lisse, unactualitéhandicap.fr, travailleur handicapé indépendant, où trouver des clients, résumé, aveugle, Didier Roche est un entrepreneur juste différent et surtout foisonnant. En novembre 2016, il lance officiellement T-Business, la plateforme qui met en relation travailleurs handicapés indépendants et entreprises, une première en France, par handicap.fr/Emmanuel Delseco, le 25 novembre 2016 réagissait à cet article. Didier Roche a perdu la vue lorsqu'il avait 6 ans, accidentellement, mais pas sa clairvoyance. À la fois touché par le handicap et employeur, son parcours est pertinent à double titre et réaffirme que le handicap n'est pas un frein à l'épanouissement professionnel et encore moins à la réussite. Il s'est surtout fait connaître avec une idée lumineuse, dont il est le cofondateur, les restaurants dans le noir. Pour tout ce qui est lecture, donc vous avez eu, il y a énormément de catalogues sur les podcasts. B France Bleu, C Canal Académie, C Collège de France, C France Culture, E Européen. Podcast liste. 23 émissions non sélectionnées. Ça pique mais c'est bon. C'est arrivé. La revue de presse de Nicolas Cantelon. Deux écoutés. Teaser Fillon préside. Le conseil des ministres se fera. Ce titre. Lancement du flux. F4 permet de l'arrêter. CTRL.T. Lance le navigateur sur la vidéo. À suivre, c'est l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre qui reçoit Éric Woerth, soutien de François Fillon, c'est ça Jean-Pierre? Oui, bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Gelais, bonjour à tous. Ce matin, Éric Woerth, je lui demanderai si François Fillon lui... Santé, des notices d'un médicament sur Doctissimo, des notices, N notices d'un médicament dans la base publique. Je valide. Médicament, édition multiligne, VASPI, localisation en 15 résultats, un aspirine du Rhône. Deux aspirines du Rhône vitamine C. On va valider celui-ci. Édition multiligne en page 1 sur 6. Doctissimo aspirine du Rhône vitamine C. Aspirine du Rhône vitamine C 400 mg / 240 mg comprimé effervescent boîte de 20 mis à jour le 22 septembre 2016. Aspirine du Rhône vitamine C. Ces indications aspirine du Rhône vitamine C. Pathologies pour lesquelles il peut être prescrit douleur fièvre classe thérapeutique antalgique principes actifs acide acétyl salicylique, acide ascorbique 300 excipient sodium citrate 331, sodium carbonate acide 500. Un autre médicament. Catégorie D. O. L. I. P. E. A. N. E. Localisation en cours. 20 résultats. 1 doliprane 100 mg. 2 doliprane 100 mg. Suppositoire sécable. Édition multiligne en lire attentivement ces notices avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament. Page précédente. 1. Page 2 sur 7. 1. Qu'est-ce que doliprane 100 mg, suppositoire sécable et dans quel cas est-il utilisé? Classe pharmacothérapeutique autre analgésique et antibiotique. Indication thérapeutique. Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et baroblique ou fièvre telles que maux de tête, état grippaux, douleur dentaire. Transport, déplacement, transport, source, liste. Choisissez parmi 8. Béton de passage d'un bus de Marseille. Béton, c'est calcul d'un itinéraire. Monsieur, quel est le métro le plus proche? Monsieur, P parcours dans le métro de Paris. P parcours dans le métro de Paris. R rue de Paris. R rue de Paris. V horaire SNCF. V fiche horaire SNCF. Voilà pour tout ce qui est rubrique SNCF. Vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Monsieur Météo France. Monsieur Météo Monde.
H-horoscope du jour. H-horoscope chinois du jour. H-horoscope. H-horoscope du jour. Signe poisson. Bélier. Taureau. Édition multiligne en ligne. Taureau horoscope du jour et le.fr. Taureau 20 avril 2021 mai. Taureau horoscope du jour. Amour. Vie à deux presque idéale. Sous l'impulsion de Jupiter, vous engagerez un dialogue serein avec votre partenaire. Vous effectuerez des ajustements. Le localisateur, monsieur mode d'emploi, ses contacts, est statistique. Contact, Philippe Léon, 2011-2016, tout droit réservé, logiciel déposé www.local. Voilà donc du localisateur de Philippe Léon. Donc un très bon utilitaire que je conseille à tout le monde. On a des grosses possibilités de recherche avec une épuration totale d'internet, avec des pages complètement épurées, avec des résultats très rapides, des résultats très efficaces, très épurés. Le localisateur, donc un logiciel qui a été développé par Philippe Léon, que on peut vraiment remercier car il a été développé pour les personnes déficientes visuelles. On peut le gérer avec différentes applications comme JAWS, NVDA et bientôt, il faut le dire aussi sur le Mac avec VoiceOver. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie donc Philippe et j'espère que la vidéo lui plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut !